musulman s'approche ici. Celui qui veut devenir musulman s'approche ici. Ma soeur, venez. Celui qui veut devenir musulman s'approche. Vous savez, des gens demandent parfois qu'on veut devenir musulman. Non, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Celui qui veut devenir musulman s'approche ici. Celui qui veut devenir musulman s'approche. Celui qui veut devenir musulman s'approche. Donnez-le les micros. Et vous allez témoigner à toi. Celui qui veut devenir musulman s'approche. Celui qui veut devenir musulman, approchez-vous ici. Celui qui veut devenir musulman. Allahu Akbar. Celui qui veut devenir musulman, approchez-vous. Celui qui veut devenir musulman. De Pomaka, approchez-vous ici. Frères et sœurs. Celui qui veut devenir musulman. Musulman et musulman. Approchez-vous. Celui qui veut devenir musulman, approchez-vous. Oui, on attend encore la compétition des caravanes du paradis. Bon, vous êtes bien, celui qui veut devenir musulman. Il y a encore des questions. Voilà la caravane des biens, voilà les gens qu'Allah a choisi. Quels sont les gens qui veulent devenir musulmans? Ne vois pas que si papa et si maman, même si c'est un jour de ta vie, quels sont ceux qui veulent devenir musulmans? Approchez-vous ici. Approchez-vous ici. Allahu Akbar. Et ça, c'est tout. Ceux qui veulent devenir musulmans ou musulmanes, approchez par ici. Non. Oui, oui, ça va. Ceux qui veulent devenir musulmans. Oh, ok. Levez tous le doigt, le bon droit. Comme ça. Et répétez, sans en haute voix, répétez. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque les devant le tribunal, ma sœur, lève le doigt. Lorsque les devants, je jure, lève le corps et tu dis amen et dis je jure de dire la vérité et rien à la vérité. Et vous ne prenez pas l'engagement ici avec Dieu. C'est-à-dire avec ou sans nous, vous allez, n'est-ce pas, obéir à qui? À Dieu. Répétez après moi. Répétez ensemble. Ashhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammada. Muhammada. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Wa ashhadu. Anna, Isa, Rasulullah, Washadu, Anna, Musa, Iskola. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Je n'atteste pas ma langue. Nulle autre divinité ne mérite adoration. Nulle autre divinité ne mérite adoration. Sauf un seul Dieu Allah. Sauf un seul Dieu Allah. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Et de tout ce qui se trouve parmi eux. Et de tout ce qui se trouve parmi eux. Et je témoigne. Et je témoigne. Que Muhammad. Est son messager. Et je témoigne que Jésus-Christ est son messager. Et je témoigne que Moïse est son envoyé. Vous êtes devenu musulman. Allah. 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 Musulman, c'est la forme la plus et la religion la plus simple du monde. On ne vous frappe pas dans l'eau pour que l'eau rentre dans les narines pour vous causer la tour. C'est cette parole-ci. Et Jésus-Christ l'a fait répéter dans Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu témoignes juste ça, que Allah est unique. Moïse, Jésus, Muhammad sont ses envoyés. Et tu as pris la dernière législation apportée par Muhammad, qui était la même qu'apportée Jésus, elle est la même qu'apportée Moïse. Donc ici, après l'islamisation, il y a un nom. Et ici, le nom ne veut pas dire aller changer l'acte de naissance. Et le nom ne veut pas aussi dire aller, n'est-ce pas, changer la carte d'identité ou l'acte de naissance. Non. Juste le nom que les gens, les uns et les autres, vont vous appeler par ce nom. Je commence à ma droite.
quel nom il s'agit, vous plaît. Et ici, je dis et je témoigne dans ce village, ça sera le nom que désormais vous allez les appeler par ce nom. Apportez le micro à la sœur-ci, à ma sœur-ci d'abord. Quel nom il s'agit, vous plaît. Et celui qui n'a plus qu'il s'agit, vous plaît, qui nous dise à son tour, nous va proposer le nom. Quel nom est-ce que ça vous plaît? Amina Papi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elle ne s'appelle plus pas le nom que vous connaissez, elle s'appelle Amina. Le second. Le nom c'est Mohamed. Mohamed. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le troisième, le second. Appelle Ahmad. 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 Et Mohamed. Ce sont les mêmes noms. Moi, il m'appelle Salif. 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 Qui est le nom d'un prophète de Dieu dont beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, nous avons déjà le sœur Amina, Muhammad, Ahmad, Salif.